En ce qui me concerne, j'ai fait ma licence en fac d'art et ça s'est plutôt bien passé. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pour plusieurs raisons. À la sortie du bac, il fallait faire un choix entre fac et école et je savais pas du tout vers quel établissement me tourner. Rajoutons le fait aussi que les écoles d'art, c'est un assez gros budget. Ni moi, ni mes parents n'avions le budget pour se permettre une telle école. Et surtout ceci qu'en fait, à la fac, on m'avait dit que c'était exactement la même chose qu'une école. En fait, c'est la même chose mais moins cher. Du coup, je me suis dit... Sauf que pas du tout. La fac c'est plus théorique, les écoles c'est plus pratique. Si je devais résumer ça. Et après ma licence, j'ai voulu faire un master dans une école d'art, mais ça n'a pas fonctionné, j'ai pas été sélectionnée. Ça, on me l'a pas caché, les écoles d'art n'aiment pas trop, on ait eu un parcours fac avant. Et en plus, je pense que je les ai peut-être pas assez convaincus. En fait, ce que j'aime bien dans les écoles, c'est justement le fait qu'on vienne beaucoup pratiquer, qu'on essaye plein de techniques ou autres. Et en fait, j'ai un petit peu retrouvé ça à la fac. On fait pas beaucoup de pratiques, mais on fait pas mal de petites initiations. C'est pas comme les écoles, mais on va pas se plaindre. C'est toujours pratique la théorie. Ça a son utilité aussi. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo qui résume un peu mon parcours à la fac. Je pourrais vous donner mon point de vue, etc. Ce sera avec plaisir même. Mais à choisir, je pense que j'aurais vraiment bien aimé aller dans une école.